Michel représente la troisième génération de Crumermi à vivre sur l'alpage. Ici, ce sont les 40 vaches laitières qui rythment les journées. Ben, la journée, elles ont plusieurs parcs. Alors quand ça fait mauvais temps, on les met un petit peu où c'est plus facile d'aller les chercher. Autrement, on se lève à 4h30. La traite, on commence à 6h moins le quart. Et après, ben, c'est la routine, hein, c'est le fromage, on les sort et puis on reprend à 4h et à 5h, on va les rechercher. On retrait à 6h moins le quart, 6h quoi. Et après, ben, on ne fabrique pas le soir, on refroidit le lait, on fabrique le matin. On fabrique un fromage qui porte le nom de la vallée, du village, de la vache même qui fournit le lait, l'abondance. Pour le réussir, Béatrice, l'épouse de Michel, brasse. Elle applique soigneusement la recette de belle-maman. Elle disait qu'il fallait y aller tout doucement. Là, ça, cette première partie, c'est la plus importante. Mais c'est quand même mieux à la main. On travaille mieux la matière. Il faut arriver à faire un grain bien régulier. L'abondance bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 1990. Mais ses origines sont beaucoup plus anciennes. C'est les moines à l'abbaye d'Abondance ils venaient de Saint-Moritz. Il y a eu une séparation. Ils sont installés à Abondance. Ils ont appris aux gens à faire du fromage. En 2017, Béatrice et Michel ont produit 20 tonnes d'abondance. Le couple pratique la vente directe, en magasin ou au restaurant. Mais avant d'en arriver là, les meules séjournent paisiblement dans la cave de l'alpage. Au fil des mois, le fromage acquiert sa personnalité, issue d'une nature tout aussi exceptionnelle que le savoir-faire des producteurs. Il y en a qui n'ont pas la même main. Tout le monde a une main différente pour décailler, pour couper le cahier. Un bon croûtage, bon là ils sont tout jeunes, et puis en qualité c'est ce qu'elles mangent, elles ne mangent que de l'herbe, de la bonne herbe en altitude, il y a plus de goût, plus de saveur, et ça fait un bon abondance. C'est l'affinage sur planche d'épicéa qui donne à l'abondance ses arômes fins et fruités. La production annuelle s'élève à près de 3000 tonnes et sa réputation en fait un véritable atout pour le développement touristique. Le produit en lui-même fait partie des déclencheurs du choix de la destination. Voilà, parce qu'on le fabrique sur place, c'est directement du producteur au consommateur. Et il influence le choix de la destination. Donc c'est là la véritable valeur ajoutée. Une interaction qui n'a pas échappé à Béatrice et Michel. Désormais, la terrasse de l'alpage est aménagée pour accueillir au mieux le randonneur et lui faire découvrir les saveurs d'abondance.